Aura. Je suis Ricky. Je suis issu d'une famille de restaurateurs et d'hôteliers. J'ai grandi dans un hôtel. J'ai fait mes études dans la restauration. J'ai travaillé dans la restauration collective, où le but est de faire le plus grand nombre de plats avec les produits les plus compétitifs. Mais j'ai travaillé aussi dans la restauration dite conventionnelle et gastronomique, où le but est de faire plaisir avec le meilleur. Et c'est cette notion de plaisir et de meilleur que j'ai vu évoluer au fil des années et que je vais vous partager. Le besoin de découverte, de créativité, de nouveauté et d'exotisme ont fait la réputation du restaurant. Mais quel ne fut pas le choc lorsque nous avons dû fermer soudainement ce restaurant ? Le choc pour les employés, pour la famille, pour les gens qui venaient s'y faire plaisir, mais pour moi aussi. J'ai traversé une période difficile, mais j'en ai saisi l'opportunité pour repenser ma vie, pour repenser mes priorités. J'ai arrêté l'alcool, j'ai simplifié mon alimentation. Je me suis retrouvé à consommer plus de fruits et de légumes. Et je dois dire que ça me convenait mieux. Mais à l'époque, j'achète encore beaucoup de produits importés, des légumes et des fruits importés. Pas vraiment par choix, mais plutôt parce que les fruits et légumes locaux ont la réputation d'être chargés en produits chimiques. Du coup, je me mets en quête de fruits et légumes locaux et bio. Cette quête va être ardue. Ça va me prendre du temps pour trouver. Mais lorsque je trouve, je découvre des choses qui m'étaient inconnues. Et je vous rappelle, je viens de la restauration. Je découvre des fruits. Le champédec, le roulinia, la sapote blanche, la sapote noire, le mamey. Un de mes fruits préférés aujourd'hui, si vous en avez, apportez-en moi. Je vais découvrir des légumes que j'avais l'habitude de marcher dessus parce que c'est du mapapé, c'est de l'amarante, de la salade d'Israël ou de la basilic, des feuilles de curry, des feuilles comestibles comme celles du moringa, du katouk et du chou kanak. Je vais découvrir les feuilles comestibles de potiron, de patates douces, mais aussi de haricots, de chouchoutes, des choses qui m'étaient absolument inconnues. Et pourtant, j'avais l'habitude d'aller chercher à l'étranger le meilleur. Et là, je découvre du précieux sur notre île. En plus de ça, ces légumes et ces fruits sont remplis de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de protéines et parfois même certains ont des bienfaits sur la santé. Je trouve cela absolument fabuleux. Je découvre aussi la notion de tropical. Ce sont des fruits et légumes qui poussent facilement en Polynésie, sous nos latitudes. Et notre climat, chaud et humide. Humide étant important, parce que par exemple, les tomates poussent mal en Polynésie à cause de cette humidité. Et elles vont être plus attaquées.
ces fruits et légumes tropicaux consomment moins d'eau. Ils sont plus adaptés et donc ont un meilleur rendement. Ils nécessitent moins de surveillance de la part des agriculteurs parce qu'ils sont moins attaqués par les prédateurs que sont les insectes qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est de se régaler. Hélas, leur production est encore trop confidentielle et trop peu connue du public. Or, si les agriculteurs les adoptaient, cela réduirait la pénibilité de leur travail. Et ils seraient moins exposés aux produits chimiques. Et cela me ferait tellement plaisir, car j'ai tellement de respect pour ces personnes qui me permettent, moi, de me nourrir. Consommer plus de fruits et de légumes bio, c'est aussi prendre soin de la terre, mais du sol surtout. C'est de prendre soin de l'eau qui va passer dans la terre, qui va se retrouver dans les rivières, qui va couler vers les lagons et se retrouver dans l'océan. C'est permettre d'épargner les pollinisateurs qui nous apportent à manger. C'est contribuer à réduire les changements climatiques. Et ça, c'est vital. Au niveau de ma santé, je réalise que les produits locaux me conviennent très bien. Cela a réduit mes maux de ventre, un comble pour un restaurateur quand même. Mes douleurs musculaires, mes allergies, mes fatigues chroniques, je retrouve des taux de cholestérol, de diabète et d'acide urique normaux. Des vestiges certainement de mes longs dîners et longs déjeuners. Et consommer plus de fruits et légumes locaux ont augmenté mes pensées positives, mes actions positives et aussi mon énergie. L'année dernière, pour mes 50 ans, je me suis offert un tour de l'île à pied avec une brouette et j'ai pu découvrir la générosité de cette terre et la générosité du cœur polynésien. Je me suis aussi offert des balades sur des cols à 5200 mètres. Tout ça grâce à ma santé retrouvée. Et ça, c'est divin. Côté consommateur, je découvre que finalement la maladie n'est pas forcément une fatalité. C'est à nous de nous adapter. C'est à nous d'adapter et faire évoluer nos goûts et nos plaisirs. Devenons acteurs de notre bien-être et de celui de notre environnement. Comment faire se rencontrer agriculteurs et consommateurs? C'est là où ma formation de restaurateur va revenir sur le haut de la table. Au détour de quelques déjeuners et de quelques dîners, mes amis vont me demander « Mais c'est délicieux, mais comment tu fais ?»« Pourquoi tu ne donnes pas des cours ?» Et c'est ainsi que les cours culinaires récréatifs du potager à l'assiette sont nés et deviennent le trait d'union entre les consommateurs et les acteurs du manger local. Des professionnels de la restauration, que ce soit de la cantine à la gastronomie, mais aussi du système éducatif en quête de réussite scolaire, du tourisme en quête d'authenticité, et le trait d'union avec la culture.
Aujourd'hui, les restaurants gastronomiques se tournent de plus en plus et s'inspirent des fruits et légumes, s'inspirent de la scène culinaire à base de fruits et légumes. Pour ses produits incroyables, pour sa créativité, pour son audace à revisiter des fruits et légumes d'antan. Le tout saupoudré de valeurs épicuriennes et éthiques. Le nouveau cap de la restauration, c'est aussi d'aller à la découverte, finalement, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures et de nouveaux modes de cuisson. De nouvelles utilisations de sources d'énergie renouvelables. J'ai découvert la douceur de la cuisson au four solaire. J'ai découvert la richesse de la cuisine crue, le festival de saveurs des produits déshydratés et lactofermentés. J'ai pu goûter à la souplesse de pouvoir travailler avec de l'énergie issue de panneaux solaires en cuisine. Pour confectionner des vermicelles de potiron aux mille délices, pour confectionner des salades de katouk, de moringa, mais aussi des aumônières de choukanak, des crêpes de ourou, des croquants de patates douces. Le menu est vaste et délicieux. Le tout participant à la promotion non seulement des fruits et légumes locaux et tropicaux, mais aussi à la transition écologique et à l'économie verte. Grâce une chose toute simple, s'en manger 3 fois par jour. Voici donc une solution au bout de la fourchette, sans exploitation humaine, ni souffrance animale, qui permet de revenir à des habitudes alimentaires vertueuses. Les fruits et légumes m'ont permis de restaurer ma santé physique et mentale, de pouvoir restaurer mes valeurs, de pouvoir restaurer mon action citoyen, de pouvoir restaurer mon action d'éco-gourmand, mais aussi ma confiance en moi, ma confiance dans le secteur primaire, de me sentir moins impuissant, moins démuni face au sujet de la santé et de l'environnement. Cela a permis de restaurer ma connexion à la culture polynésienne, mais aussi de celle du Pacifique. Vous l'aurez compris, le meilleur et mon plaisir passe aujourd'hui par les fruits et les légumes. Ce sont les racines de notre santé et de notre connexion à la terre. Il me donne envie de célébrer la vie à travers un plaisir durable et responsable, sans faire la guerre à son corps ni l'environnement. Voici donc le menu de Ricky, restaurateur et chef pacifique. Pour passer au vert et sauver l'humanité au passage, alors à table et ensemble, restaurons le manin. Bon appétit.